soldat Augustus Cole. On ne vous a pas beaucoup entendu jusqu'ici. Bah écoutez, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre... Je présume qu'il vous arrivait d'écouter votre coach de Crash Ball de temps en temps. Crash Ball. Vous n'êtes pas un fan. De la guerre factice? Non. Alors, comment trouvez-vous la vraie guerre? J'avoue que j'ai connu mieux. Alors, soulagez votre conscience. Ensuite, on a fait route vers Onyx Point. La position de ce complexe est confidentielle, soldat. Je suis venu à Alvo il y a quelques années. Un de vos généraux était un fan. Il m'a fait faire une visite. Baby!
catapulte. Je crois qu'on les a tous eus. J'espère que le missile n'est pas loin. Cool. La première fois que j'ai mis les pieds à Onyx Point, mon guide était sous. Et moi aussi. Déjà à l'époque, on y rentrait comme dans un moulin. Cole, ça te rappelle quelque chose? Tu crois vraiment que j'ai pris des notes la dernière fois que je suis venu?
Ok, perdons pas de temps ici. On y va. Brumps! Toutes les portes étaient ouvertes. On espérait que ça allait continuer jusqu'à ce qu'on trouve le missile. J'imagine qu'on reconnaîtra le missile quand on le verra. Cool! On a ouvert la mauvaise porte. Ennemi repéré. Ennemi repéré. Allez, on gagne le combat. Approche petit, on va faire la troisième. Arrière détruite. Attention, ça va péter. Barrière détruite. Oups. Regarde où tu tires! D'accord. Comment on sort de là, maintenant? Continuons d'avancer tout droit. Ça faisait des heures qu'on n'avait pas croisé d'autres gears. Je commençais à penser qu'il restait plus que nous à Alvo. Même moi, j'étais un peu... nerveux. Karn a pris le port. J'avais des amis stationnés là-bas. Comme nous tous.
Ouais, je suis sûr d'être déjà venu ici. Allons vers l'ascenseur. Sniper sur la corniche! Un sniper! Cible en joue! À craindre qu'ils aient déjà trouvé ce qu'on cherchait. Le missile lumière entre les mains de Karn. Je préférais pas y penser. Coltrane prend ce qu'il veut, point barre. Explosion. Et j'en ai eu un. Ennemi repéré.
personne. Faites dresser. Ça va péter. Un dérôle. J'ai plus de munitions. À nouveau. À toutes les unités, rejoignez le musée de la gloire militaire. Nous allons reprendre cette ville immeuble par immeuble. Lieutenant, il faut lui dire ce qu'on est en train de faire. D'accord, d'accord. Colonel Loomis, ici le lieutenant Baird. Lieutenant, quelle est votre position ? Onyx Point. On vient d'activer le missile lumière et on s'apprête à... Pas un mot de plus, lieutenant. Ce missile est dans ce silo pour une bonne raison. Colonel, vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Je sais parfaitement à quoi j'ai affaire. À la larve qui a tué de minables indépendantistes. J'irai lui serrer la main si je pouvais. Alors vous et tous vos hommes, vous allez mourir. Lieutenant, arrêtez le soldat Paduk et ne quittez pas cette île. En fait, non. Cadet Hendrick, arrêtez Paduk. Et le lieutenant Baird, s'il résiste.
Ici Omega 2, on est coincé à deux rues du musée. On a besoin d'être évacué. On se mobilise, sergent. On peut vous envoyer un faucon dans une heure. On tiendra pas une heure. Nous, on peut y être bien avant. Je vais sauver Omega. Quelle drôle de coïncidence. Moi aussi. C'est fait. On va où, Damon ? Sur le continent. Les Gears ont besoin de nous. Je vais prendre ça. Ce missile ne servira à rien si les larves le chopent. On peut utiliser le bot pour sceller la porte une fois de l'autre côté. Cette porte était le seul moyen d'accéder au labo du missile. Et on l'avait condamné. Il était temps de regagner la plage. Ce bruit commence vraiment à me gonfler. Hé, la ferme, le bot ! La plage est déserte ! Restez sur vos gardes, Kino !
toujours raison et moi toujours tort. De munitions avant qu'il rapplique. On bouge ? On doit s'assurer qu'il n'en reste plus. Thank you.
m'occupe de toi. On peut prendre un de ces navires pour revenir? Parfait. Cette fois, on va en finir, Kilo. Oh, je crois que je vais prendre ça. Fellow is dead.